C'est super de se retrouver ici, hein, ensemble, et, euh, et de pouvoir partager ce, ce qu'on a entre nous avec le reste du monde, en fait. Um, donc, d'abord, j'aimerais euh, comprendre un peu plus euh, de toi, Aïcha. J'aimerais savoir d'où tu viens, euh, combien de temps tu fais des films, euh, et pourquoi tu es là. Merci pour euh, cet insigne honneur que vous faites euh, au-delà de ma personne, à toute l'équipe du film Zander. Donc euh, moi, je m'appelle Aisha Maki, je suis nigérienne, euh, j'ai commencé à faire euh, les cinémas, c'était en 2011. Mais bien avant d'arriver dans les cinémas, j'étais euh, prédestinée à aller là-bas, parce que dès mon jeune âge, j'ai commencé la culture, j'avais 6 ans, la première fois que je suis allée en scène. Et depuis lors, j'ai continué à le faire. Mais à proprement dit, le cinéma, je l'ai rencontré sur le terrain de la science. Sociologue euh, de formation, donc j'allais faire des enquêtes euh, sur le terrain, sur euh, beaucoup de thématiques. Et c'est là où j'ai rencontré vraiment l'envie d'aller vers le cinéma pour mieux raconter le monde et mieux me raconter dans une langue locale pour que les gens me comprennent. Et d'autant plus que plus de la moitié de la population est analphabète. Donc à qui est-ce qu'on présente tout ce qu'on fait, ça m'a amené à poser beaucoup de questions, et je me suis rendu compte que la langue internationale, en fait, c'est l'image. Si par exemple Julia elle est contente, on n'a pas besoin d'expliquer par sous-titrage, elle est contente quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé euh, dans les cinémas, c'est grâce à un forum qui, Iloussa Ouseni, à l'époque l'ambassadeur euh, permanent du Niger auprès de l'UNESCO, a mis en place un forum pour permettre euh, de recevoir des jeunes qui ont envie de faire du cinéma et de les former. Donc je commençais là et euh, après il m'a donné une bourse avec deux autres jeunes. Euh, Aujourd'hui il y a une qui est à la télé, il y a une autre qui est au ministère euh, et on est allé là-bas pour euh, légitimer notre passion. Et C'était comme ça que j'ai rencontré le réseau AfricaDoc, grâce toujours à ces forums là et je suis allé au Sénégal à compléter ma formation euh, en faisant un master D cinéma documentaire de création. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi euh, présenter Guillaume, qui est le directeur de Produire au Sud, mais aussi comprendre euh, d'où tu viens et pourquoi tu fais Produire au Sud, combien de temps que tu le fais Alors, donc, Guillaume Minguet, je travaille pour Produire au Sud de, depuis 2010 et pour le Festival des Trois Continents depuis 2007. Euh, C'est dans un contexte de, de chaise un peu tournante euh, et de, de, de mouvements internes euh, au Festival des Trois Continents que j'ai récupéré les rênes euh, de l'atelier Produire au Sud, euh, l'atelier qui était nantais au départ, qui sélectionne des projets euh, de fiction essentiellement. On reparlera de l'exception euh, faite à, pour Zinder face au documentaire et à la proposition qu'on ne pouvait absolument pas manquer euh, à l'endroit du projet d'Aïcha euh, depuis donc 2010, euh, et j'ai développé euh, des ateliers euh, à l'étranger également, de manière pérenne, dans le cadre de, de partenariats qui, euh, voilà, qui, 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 qui tiennent bon, qui fait qu'aujourd'hui, euh, la proposition de Produire au sud dans son ensemble, c'est sept ateliers à l'année. Euh, à Nantes, euh, dans le cadre du Festival des Trois Continents, mais dans six autres endroits euh, des Trois Continents, euh, à Taïwan, en Thaïlande, en Israël, en Inde, en Afrique du Sud et au Maroc, euh, pour euh, essayer de répondre davantage euh, à. De, davantage de projets, euh, davantage de, de porteurs de projets, euh, puisqu'on sélectionne très peu de projets par atelier. Voilà, mmh. ce qui est une des marques un petit peu de, des ateliers. Mmh. Mmh. Euh, donc, c'est mon activité principale, mais je suis, et c'est ce qui fait sans doute que je me sens particulièrement lié aux réalisateurs et aux auteurs, c'est que je suis moi-même réalisateur, euh, auteur euh, de courts métrages pour l'instant. Je, voilà, je travaille sur un premier long métrage. <laughs> euh, donc, donc, tout ça, euh, voilà, tout ça explique euh, voilà, cette, cette, ce grand attachement à à la question de la en même temps de l'accompagnement euh, de, de jeunes talents euh, de jeunes professionnels et en même temps euh, euh, la comment dire la, la la conscience très grande que je que j'ai de euh, l'endroit où ils ont besoin d'être euh, d'être aidés quoi la, le, le fait d'être euh, d'être lancé depuis des endroits où euh, ben bah, c'est pas toujours facile de trouver des connexions internationales euh, donc moi je présente vraiment l'endroit de produire au sud comme euh, euh, je te, on en a parlé comme ça, de, de cette manière-là hier avec Aïcha lors de la autour de la présentation de, du film en ouverture, mais euh, comme, comme une maison ici, c'est comme une maison pour les, pour les producteurs et réalisateurs qui sont passés par les ateliers, un point, un point fixe de repère euh, où euh, tout est euh, tout est possible euh, de la prise de, de contact de nouveaux, de nouveaux contacts d'un soutien par une lettre de recommandation euh, des informations complémentaires sur un fonds sur euh, etc. donc c'est un peu plus qu'un dans ma perception et dans ce que j'ai envie de mettre en place ce que j'ai mis en place depuis quelques années c'est un peu plus qu'un atelier qui accueille très momentanément euh, des, des groupes euh, euh, de, de jeunes professionnels c'est aussi un lieu de rencontres et un lieu fixe où, euh, où on crée des liens qui durent. Quoi. Mmh. Voilà. Donc c'est juste un peu plus sur Produire au Sud pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est en fait Le titre exact, c'est un atelier de formation initiale euh, aux outils de la coproduction internationale on s'adresse à des jeunes producteurs et jeunes réalisateurs euh, qui ont déjà démarré leur carrière professionnelle de producteurs et de réalisateurs, euh, mais à une échelle plus euh, locale ou nationale. Et avec le projet qu'ils présentent et qu'on retient, c'est euh, la première euh, expérience internationale. C'est vraiment l'entrée dans les marchés. Et donc nous, on offre cette possibilité par le biais d'une formation euh, euh, plus ou moins euh, voilà complète évidemment mais en tout cas complémentaire de ce qu'ils connaissent déjà euh, de ce qu'ils peuvent s'attendre à rencontrer sur les marchés internationaux en termes d'écriture de, d'exigence de, de, de marketing de distribution euh, et puis de toute la dimension de la stratégie de, de production donc c'est un travail un, un, un lieu de et un atelier de, de rencontre parce que les les, les jeunes professionnels s'aident aussi entre eux, ça enfin, découvrent et apprennent beaucoup d'entre eux, de leurs différences culturelles, des différentes possibilités euh, dans, dans, les différents, euh, dans les différents pays. Euh, et puis, travaillent euh, de manière vraiment individualisée euh, sur euh, les, euh, tous les éléments et les, les, les outils qui vont permettre à leur projet euh, de trouver la voie depuis, leur, depuis le pays de, de production. Quoi. Oh. Voilà, c'est vraiment. Euh... Et donc pour ces sept ateliers partout dans le monde, il y a un appel à projet une fois par an Ou comment est-ce que les gens puissent, peuvent appliquer euh, Pour euh, l'atelier de Nantes, c'est effectivement euh, un appel à candidature qui ouvre à peu près en mai pour euh, l'atelier qui, euh, qui a lieu en, en novembre. Et sinon, il y en a un, un, un aussi pour tous les autres ateliers euh, voilà, internationaux. Et vous acceptez combien de projets euh, six, à, six, six projets en moyenne. Voilà, mmh. ce, qui est, ce qui renvoie vraiment à la question de l'accompagnement dont je parlais, qui est très précieux et précis aussi dans la manière dont on, on souhaite le faire. Euh, six projets, c'est donc douze euh, personnes autour de la table par atelier. Et, euh, et pour nous, c'est euh, vraiment le, le nombre parfait qui permet en une semaine d'atelier de rencontrer tout le monde, qui euh, empêche... Aucun des, enfin tous tout les, qui, qui empêche tout le monde de se cacher derrière le groupe. On est obligé <laughs> de les rencontrer. Chaque producteur, chaque productrice, réalisateur, réalisatrice, et, et, et c'est aussi ce qui permet d'assurer euh, la, la précision de l'accompagnement après l'atelier, puisqu'on se connaît. On connaît les noms, on s'est rencontrés. C'est pas, c'est des visages, c'est des histoires. C'est c'est au-delà du, du du projet du film en lui-même. Euh, on a le temps. De se, de se rencontrer. Quoi. Ce qui, euh, je le souligne, fait un peu la différence avec un certain nombre d'autres programmes internationaux où peut-être les sélections sont plus nombreuses et où il y a plus de, de gens. Euh, moi, je mets un voilà vraiment un l'accent et, et un, un véritable point d'honneur à, euh, à, à voilà pouvoir garder cette possibilité de rencontrer vraiment euh, tous les gens. C'est bien, on va pouvoir y revenir parce qu'Aïcha a pu participer en plusieurs ateliers, il me semble, partout dans le monde. Donc, de pouvoir aussi euh, discuter un peu de ces différences. Mais pour l'instant, je voudrais savoir comment est-ce que toi, Aïcha, tu as pris conscience de produire au sud et pourquoi tu as décidé d'appliquer avec ton projet. D'abord, il faut le dire, euh, la, le premier contact, c'était... Euh Grâce à l'arbre sans fruit, qui d'ailleurs, je me rappelle cette année-là, non seulement j'étais la seule femme, mais aussi c'était les seuls documentaires. Ah, tu tu, tu euh, nous dis, euh, l'arbre sans fruit, c'est ton premier fruit, long métrage. Mon premier long métrage, donc c'était le seul qui était en compétition, et le seul documentaire, j'étais la seule femme en fait euh, cette année-là. Et donc j'ai découvert euh, euh, avec plein d'émotions et de surprises en fait les gens qui étaient là dans une sorte de cocon familial en train de discuter euh, et je suis allé au pitch, ça m'a émerveillée, j'ai dit euh, ça, je souhaiterais un jour être dans la même situation que ces auteurs qui <laughs> viennent des contrées différentes et qui arrivent à se mettre autour de la table, discuter en fait des thématiques aussi diverses euh, sur les trois continents et donc j'ai commencé à mûrir l'idée de me dire un jour il faut que j'envoie un, un projet. Et entre-temps j'étais déjà en fait euh, j'esquissais le projet Zender. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on avait appliqué l'année euh, qui suivait et on a eu la chance d'être sélectionnés. Et donc, Ousmane et moi, mon, Ousmane, c'est mon producteur, en fait, africain, qui est malien. Et donc, on était venus dans cette famille qui nous a accueillis. Euh, du fait qu'on n'était pas nombrés comme euh, le disait Guillaume, ça a permis de former une sorte de famille, en fait. Euh, on n'était pas des chiffres. On était des, des visages, on était mmh. des personnes, en fait. On pouvait mettre des noms. Sur chaque visage, on pouvait se dire que celui-là, il vient de tel contrée, il a tel projet, du fait qu'il n'était pas pléthorique. Et donc, c'était un truc d'assez important. Et aussi, il y avait un suivi, en fait. Euh, pourquoi je dis un suivi pérenne Parce que tous les jeunes avec lesquels on avait fait ces passages-là, on a gardé contact. Mmh. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Parce qu'il y a certains ateliers, quand on y va, en fait, euh, on sort avec beaucoup de visages, mais auxquels on n'arrive pas à mettre des noms. Et donc ça, c'était embêtant. Ça m'est arrivé plusieurs fois de croiser des gens et je n'arrive pas à appeler leur nom et ce n'était pas le cas ici. Et donc, ce qui fait euh, vraiment une différence ici, et du fait que aussi euh, les gens arrivent à trouver des choses à faire ensemble, puisque moi, je me rappelle, en fait, il y avait un bus qui nous transportait d'un endroit à un autre. Donc, dans le bus, il y avait des débats. Mmh. Moment où on est écouté euh, pendant le, comment on appelle ça, la formation et en rentrant en fait à l'hôtel là où on était tous ensemble on continuait à partager euh, des expériences on continuait à parler des projets donc ça apportait quelque chose ça enrichissait mm -hmm. il y avait des questions qui venaient comme ça et donc tout ça ça a servi à ce que euh, comment dire en fait cette connexion il reste et pour qu'on continue encore à demander euh, Comment ça avance le projet des uns et on veille un peu en fait des uns sur les autres. Avant de continuer, il faut expliquer un peu comment euh, l'atelier fait partie du de festival des Trois Continents parce que tu, tu en as fait référence en disant que l'arbre s'enfuit a été projeté euh, et que tu as vu les pitches. Donc tu peux Guillaume m'expliquer un peu ça, le contexte dans lequel le produit au sud se fait. Euh, alors, on le présente comme le programme industrie euh, de, du Festival des Trois Continents, comme il y a d'autres programmes euh, attachés à d'autres festivals euh, en Europe et euh, à travers le monde, euh, qui a, cette, je disais, cette particularité d'être sur le champ de la formation initiale euh, et qui a été, il y a 20 ans, euh, puisqu'on fête les 20 ans euh, là cette semaine, euh, une manière pour le Festival des Trois Continents de repérer. Bien en, en, bien en amont de la création euh, des, des, des films, de la réalisation, de la production des films, euh, des, euh, des promesses de films, euh, des promesses de réalisateurs, de producteurs, etc., sur lesquelles euh, on croit sur le papier. Donc, c'est ce qui fait que les, les projets sont, sont sélectionnés. Euh, et donc, c'est un, un véritable outil de travail vivant du Festival des, des Trois Continents. Euh, et qui est. Euh, S'est posé au fur et à mesure des années comme une formule qui était très attractive pour euh, euh, répondre à plein de demandes de jeunes professionnels à travers le monde, qui à qui manquait justement probablement cet euh, espace de la formation initiale, c'est-à-dire ce, ce début, cette entrée, ce, ce premier, cette première étincelle euh, pour lancer, euh, pour oser. Euh, pour peut-être aussi parfois comprendre comment est-ce qu'ils peuvent faire partie, comment lancer leur projet et puis leur carrière à eux. Euh, et, euh, et on a bien vu que c'est, et, et toujours 20 ans plus tard, que c'est une, une nécessité, euh, euh, il oui, y a un besoin, un besoin, il y a un besoin toujours mmh. à cet endroit-là. Euh, donc euh, l'atelier nantais se déroule pendant le festival des trois continents et euh, l'idée étant d'essayer de se faire croiser à un moment donné les, les, deux, les deux programmes en tout cas de, parce qu'on est voilà, évidemment fier de ce programme là de la sélection de, de chaque année donc de faire en sorte que les, les festivaliers du, du, qui viennent voir les films chaque année puissent rencontrer apercevoir euh, les, les talents de demain et donc, il y a un endroit, parce que c'est vrai que le travail que, que vous faites à 12, quand vous travaillez tous ensemble, c'est relativement. Euh... privé, en fait. Oui, un, un, invisible, souterrain, on va dire. Oui. En tout cas, vous, vous c'est un peu même confidentiel parfois, parce que vous échangez des choses qui sont aussi tout à fait. Euh, euh, ben bah, voilà, encore pas naissantes, <rire> juste. <rire> et donc, et donc euh, ne, bah, on, on, on a le moment de, ce, de des pitchs publics. Euh, qui, ben, comme euh, voilà, euh, on en parlait, ou tu pourras peut-être en parler. Et <laughs> le moment où, euh, bien, voilà, on voit les visages, on entend parler du projet ouais. euh, pour les pour la première fois, les premiers mots. Euh, et puis où, à partir de ce moment-là, euh, nous, on peut considérer depuis l'organisation de, de l'atelier que le, le le projet, il est. Euh, Public, il est connu au niveau international et qu'on peut le faire euh, voilà, oh. euh, connaître. Donc, euh, c'est à cet endroit-là qu'il y a cette, cette rencontre. Euh, et puis, après, c'est vrai que c'est aussi, euh, et c'est sans doute la chose la plus importante à dire, Produire au Sud est à une activité permanente à l'année avec ses sept ateliers. Donc, c'est en même temps la tête chercheuse euh, du Festival des Trois Continents qui fonctionne toute l'année avec une actualité permanente euh, sur sept territoires. Donc, qui ne cesse de. Repérer des, des, des jeunes gens, ou en tout cas repérer, euh, disons, d'être à l'affût de ce qui se passe euh, dans, les, dans les pays dans lesquels euh, on circule, où il y a des ateliers, euh, pour repérer des projets. Donc il y a, il y a une, une veille permanente euh, que le festival euh, peut, on va dire, utiliser. Euh, euh, des années plus tard, et, et là, le cas de, de Zinder et d'Aïcha euh, dans, dans son passage à Nantes est exemplaire, puisqu'il y a quelques années, le film était, était sélectionné. Le film revient sur les écrans du, du festival, c'est magnifique. Mmh. Donc, ça nous amène à, à Zinder et ton, pro ton projet que tu avec laquelle tu as appliqué à produire au Sud. Oui. Ok, donc c'était euh, l'atelier de 2018 et tu avais déjà un long métrage qui a fait un voyage partout dans le, le monde et qui a gagné plein de prix. Pourquoi le besoin de retourner dans cet atelier, dans un atelier, un incubateur Déjà, il faut le dire, euh, en fait, les, les thématiques que j'ai traitées n'y sont pas les mêmes. J'ai fait un film... Euh, une autobiographie, donc c'était un film euh, je dirais pas facile parce que filmer les siens, c'était pas comme je le croyais en fait euh, mais comparé à celui-là, là où je vais sur un long métrage et sur une thématique qui est quand même euh, assez sensible j'avais vraiment besoin d'aller pour avoir de l'expertise non seulement de faire euh, comment dire en fait euh, euh, attends, je cherche le mot d'évaluer les risques du projet Parce qu'on euh, le fait. Parce que quand vous parlez de votre projet, tout de suite, il y a des auteurs, soit qui connaissent des gens qui ont traité ces même euh, genre de thématique qui, qui vont vous parler de savoir comment marcher sur des yeux. Et vous avez des mentors aussi qui sont là pour vous recadrer, en fait, pour vous dire... Euh, on vous pousse, en fait, à vous poser des questions et aller au-delà, en fait, des, de votre réflexion. Et donc, c'est tout ça, cet avantage-là. Et aussi... Ça nous permet en fait, de savoir, euh, est-ce que c'est un projet qui pouvait aussi euh, parler au monde Oui, c'est important parce qu'on fait des films pour nous-mêmes, mais il faut le faire aussi euh, pour les autres, en fait, puisqu'on est dans une euh, sorte de co-production internationale et que si on veut s'ouvrir vraiment pour aller vers les cinémas du monde, bah, il va falloir penser à tout ça. Et quand vous rencontrez, par exemple, quelqu'un qui vient du Népal et à qui vous parlez d'un projet qui va se passer à Caracara, dont il ne savait même pas comment mettre... La carte du Niger sera même la carte de l'Afrique. C'est important que quelqu'un mmh. vous dise que ça vous l'appliquez chez moi, il passe. Vous voyez et vous parlez tout de suite en fait à quelqu'un qui vous dit mais oui, moi je viens d'une un, uh, nation là où aussi tu trouves ces genres de trucs, mais mmh. avec des appellations différentes. Mais voilà. Donc tout ça, ça, ça fait écho. Mmh. Donc tout de suite en fait vous vous inscrivez euh, le projet dans une thématique euh, dans une euh, démarche, comment on appelle ça, à aller vers les autres aussi. Mmh. Donc ça nous permet aussi d'avoir du recul par rapport, puisque quand on fait un projet, et c'est sa réalité, euh, entre guillemets, donc on est trop dedans, ça nous permet en fait d'avoir un peu du recul mmh. par rapport à ce qu'on reçoit des autres aussi, leur perception du projet. Et je considère que moi, toujours, dans un atelier, euh, quand on vient, les auteurs, les mentors, c'est nos premiers spectateurs, vous racontez votre projet tout de suite, il y en a qui commencent à avoir des images. Il y en a d'autres qui vont vous poser des questions. Donc vous vous dites qu'en fait même le film quand il va sortir ça va être la même chose et donc ça vous permet de vraiment juger euh, par rapport à où est-ce que vous allez euh, et si vous allez de ce côté plutôt est de l'autre côté donc tout ça c'est mmh. important on en a besoin et surtout pour des gens comme moi euh, je fais un premier film c'est vrai mais euh, j'apprends toujours parce que je viens de la sociologie et c'est pas évident c'est pas comme quelqu'un qui a fait ses études en cinéma ou qui a fait énormément de films donc le fait de passer dans des laboratoires comme ça, dans des ateliers, ça permet de regarder aussi des films, c'est très important. Et c'est en ce sens que je trouve très important le fait qu'on ait travaillé dans les ateliers, allé voir des films à la fois. Et donc, ça nous amenait, puisque la meilleure façon de faire des films, c'est de regarder les films. Donc, on voit les, les auteurs, on voit le point de vue des gens, la façon de filmer. Donc, tout ça, ça enrichit en fait. Euh, notre façon de voir les choses et ça nous permet aussi d'avoir un background avec lequel on retourne chez, chez nous. Donc tu as touché, touché sur deux singularités de, de Produire au Sud en fait. Le fait que ça soit euh, pendant le festival et que les participants puissent aller voir des films, qui, qui, qui a été très important pour toi, de voir des films de, de ces trois continents et de s'enrichir. Et aussi le fait que euh, les participants de l'atelier viennent de partout dans le monde. Ah, et, et que ça a été très important pour toi d'avoir ce regard, non seulement de la France, mais aussi euh, d'Asie et Amérique latine. Um, et, et Guillaume, comment, puisque c'est important ce mélange et ces regards, comment est-ce que ça entre dans, dans tes pensées au moment de sélectionner des projets Est-ce que c'est très important pour toi de faire une équipe qui est. Euh, ou, alors, ou, oui, évidemment. et en même temps, euh, on, sait que, euh, on sait que ça va arriver d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire quelle que soit la sélection des projets. Euh, on sait que le, le, le travail euh, va être, l'échange le, le, va, va amener à, à ça, et que chaque binôme, chaque réalisateur, euh, producteur euh, va pouvoir, euh, voilà, trouver un écho à c'est dans l'adn de, de produire au sud après euh, de savoir exactement ce qui va se passer parce que c'est une, une aventure qui est tellement humaine de savoir exactement mmh. ce qui va se passer euh, ça c'est pas possible c'est ouais. aussi pour ça que moi à chaque chaque fois qu'il est question d'organiser un atelier ouais. euh, et donc ça revient assez régulièrement <laughs> maintenant c'est comme un, un, une nouvelle chose à chaque ouais. fois. Parce que ce qui donne la nature de, de la, et la singularité de chaque atelier, c'est le groupe qui est, qui est sélectionné. Euh, les histoires qu'on rencontre. Euh, voilà la singularité de ces histoires là la singularité des parcours mais aussi ce que euh, les six projets font ensemble créent ensemble en fonction de quel pays ils se rencontre euh, je me souviens d'une année où euh, à la fin d'un atelier un projet du Mozambique avait quasiment décidé en partant de Nantes de coproduire avec un projet du Brésil euh, que une, euh, un projet du Costa Rica avait, c'était entendu suffisamment avec un projet du Chili pour coproduire également. Donc, il peut y avoir des choses comme ça qui sont des rencontres qui dépassent même le cadre de l'entente humaine et sur la question du, du, du projet ou, de, ou des bons retours qu'il peut y avoir de, de, avec bienveillance de chacun sur le projet de. Il peut il peut tout se passer et puis d'autres années ça, ça il faut le dire aussi ça existe ça ça, ça marche moins bien mais mmh. mais ça n'a pas à voir avec je pense la qualité des projets plutôt que juste l'alchimie qui fait de, de ce que mmh. sont les, les chaque participant au moment de euh, de de la, de la sélection de leurs projets c'est de la j dire de la, de la dynamique de groupe c'est de la psychologie sociale c'est de la donc autant de, autant d'éléments euh, euh, qui font partie de l'ADN et, et qui et qui est maintenu et qui est entretenu à partir du moment où on, on sélectionne aussi peu de projets oui. c'est à dire que si on dépasse euh, moi, 12, j'aime bien parce que 12, je disais que tout à l'heure, on ne peut pas se cacher. 12, on apparaît forcément tous mmh. les, les 12 personnes euh, sont là autour. À partir de 14, même un, un, un projet de plus, ça crée des sous-groupes, ça crée une autre dynamique. Mmh. Euh, et et l'ambiance la, la, générale peut, peut en pâtir ou ne pas être euh, la même. Euh, donc ça a véritablement à voir avec euh, cette, cette question de euh, ben, on est tous ensemble quoi, et on va partager tous ensemble, on va être obligé de partager et, et si vous acceptez dans l'application que vous avez envoyée, dans la demande, votre candidature, il euh, y a cette, euh, cet accord tacite, pour nous c'est comme ça qu'on le reçoit, vous venez pour partager votre, mmh. votre projet et, re et recevoir, mmh. c est, c est pas, et, et donner aussi sur, sur les, les, les projets des autres. Donc, euh, voilà, c'est cette, cette dynamique-là au niveau de, de la sélection qui, euh, qui est en même temps euh, très importante et en même temps qui n'est pas, évidemment pas un critère de, de, de sélection. Nous, on sélectionne ce qu'on reçoit de la qualité artistique des projets, de la faisabilité des projets, de leur potentiel, on va dire, en matière de, de coproduction internationale. Euh, mais c'est tout, et après la magie, euh, mmh. la magie opère. Quoi. Oui. Hein et je pense que j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire Guillaume. C'était la première fois en fait, que moi, en tant qu'auteur, je reçois tous les projets. Eh oui, j'allais justement. Tous les Invite, projets ouais. Avant de oui. venir, déjà, j'avais tous les projets à lire. Et donc, c'était la première fois qu'en tant qu'auteur, on m'envoie le projet de quelqu'un d'autre que je dois lire mmh. pour euh, être au même diapason. En fait, c'est que quand je viens, déjà, j'ai. Déjà en venant, je savais en fait euh, quelques personnes dans le projet m'ont touché. Et donc j'ai mis tout de suite en arrivant en fait des visages sur des noms. Ok, juste pour, pour expliciter ça, c'est en gros... Euh vous recevez les, les dossiers de tout le monde et vous les renvoyez ouais. à chaque participant euh, Le cadre de la préparation, oui, c'est vrai qu'il est assez, euh, assez important. Euh, et la manière dont on essaie d'impliquer de, euh, euh, chacune des, des 12 personnes, c'est de, de, de renvoyer un maximum de contenu, de prévenir aussi, mais aussi parce qu'un certain nombre de sessions sont basées sur la. la c'est une sorte de prérequis sur les, les lectures. Préalable pour pouvoir immédiatement euh, renvoyer la balle euh, à, aux camarades qui sont autour mmh. de la table, mmh. donner un retour pour ce qu'il vaut, parce que parfois bah, il, manque, euh, billes, il manque des billes, il manque des informations, euh, il manque un. Voilà, mais il manque. Et, et à l'inverse, souvent c'est en termes de potentiel et de positif que c'est intéressant. C'est que c'est tellement extérieur à, à une situation comme à, à Zinder par exemple que bah, les gens qui t'ont donné des, les, les retours euh, est basés sur autre chose, mmh. un petit peu décalé Et c'est mmh. en ça que ça permet, tu parlais du recul tout à l'heure, mais de donner une sorte d'ouverture de, 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 oui. sur la, la manière dont on regarde son propre projet. Oui, toi. donc tu as quelqu'un de N Népal qui va lire ton projet et qui va donner un retour de comment ça va être reçu là. Mais tu en as parlé d'autres choses. C'est aussi que ça, c'est ça qui a aussi euh, euh, permis de tisser des relations avec les autres parce qu'à partir du moment que tu as lu leur projet euh, tu, tu les connais bien sûr absolument parce que quand vous recevez euh, un projet et, et que vous le lisez et tout de suite en fait il y a un attachement mmh. et au projet et forcément en fait aux gens qui le portent et donc quand vous arrivez et ce qui était très marrant et c'est une expérience que j'ai vécue en fait qui jusque là je me souviens en fait on était arrivé au premier jour comme si on s'est déjà connu. Mmh. Je me suis rendu compte que c'est les projets qui ont fait en sorte qu'on s'est attaché à des gens et on a, on a eu à mettre des visages sur des noms. J'arrivais tout de suite, en fait, il y avait un projet particulièrement qui était un de mes coups de cœur, c'était Crocodile Tires. Yeah. Et donc j'arrive, en fait, tout de suite, Mandy et Tumpal, ben, je connais quoi. Mmh. Et <laughs> voilà, je suis arrivée, je dis, ben voilà, ils sont là. Et tout de suite, même s'il y avait la langue en fait qui faisait défaut, parce qu'il faut le dire en fait avec mon franglais et donc c'était un peu délicat de discuter avec les gens mais je connais le projet et il y a des moments où tout de suite quand on demandait en fait qui veut commencer à parler tout le monde était là pour parler parce qu'on ne découvrait pas les choses là, sur le champ mais on a eu le temps de se familiariser avec les projets, on les a lus donc après on était à même d'être si vous voulez une sorte de jury en fait pour leur poser des questions comment vous comptez mais là vous avez dit ça mais expliquez quoi et donc c'est ça en fait à vrai dire et moi, je pense qu'à la fois, on était euh, auteur, mais on était une sorte de mentor aussi. Ben oui, une sorte de mentor. Et ça, c'était avoir des casquettes à la fois. Et c'est ça qui fait euh, toute la différence, je pense, euh, au niveau de ces atelier là Et est-ce que tu penses que ça a créé une espèce de confiance Parce que, dans le sens, oui, vous êtes une jury, mais vous êtes, vous êtes conscient que vous allez être jugé aussi. Absolument. <laughs> Donc, du coup. C'est ça qui fait euh, marrant, en fait. On est juge et parti à la fois. Mmh. Et donc ça c'était très beau et de savoir que oui on juge les autres mais on sera jugé par eux et par d'autres personnes aussi donc vous voyez ce que ça fait en fait de se trouver dans ces dans cette bulle là comme ça et des allers-retours en fait et c'est ce qui fait qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez magnifique dans ça et, et on continue on a su garder le contact et tu vois par exemple il y a Tiro qui revient et tout de suite quand on s'est vu en fait il m'a demandé Ousmane et y a le nom et donc on, on parle des projets qui sont aboutis qui sont en train de se faire et tout ça donc c'est tout ça qui fait en fait la beauté des laboratoires même s'il y a des moments où on se dit peut-être oui on a fait assez de labos ça va le prochain on va les faire tout seul non il y a quelque chose de l'ordre de l'humain en fait qui est là et chaque rencontre qu'on fait ça nous a, ça amène quelque chose dans notre carnet d'adresse et tout simplement en tant qu'humain aussi et je pense que c'est toutes les belles rencontres-là qui font qu'on arrive à avoir une âme assez ouverte pour uh, aborder des thématiques et tout simplement pour uh, voir le monde autrement. Mmh. Parce que je me dis, en fait, à partir de sa bulle, est-ce qu'on serait capable de voir le monde en fait, avec uh, beaucoup de prise Je ne pense mmh. pas. Clairement Donc, pas. Les rencontres, uh, ça fait des, des belles choses. Mmh. Mmh. Et tu as évoqué le nom de Doucement donc, euh, qui est venu avec toi à l'atelier Parce qu'il me semble que ça aussi, c'est un aspect qui est peut-être, euh, je ne sais pas si c'est unique, mais c'est quelque chose que vous exigez que, que ça soit un binôme. Tu veux en parler mmh. Pour valider une, une sélection, une candidature, euh, il faut effectivement que le projet soit euh, déposé par un producteur, une productrice et une, un réalisateur une réalisatrice, et donc deux personnes, euh, qui s'identifient eux-mêmes suffisamment pour se dire qu'il bah, y a une productrice ou un producteur et un réalisateur ou une réalisatrice, ce qui n'est pas toujours simple en fonction évidemment du, du pays, parce que parfois... La notion, le profil du producteur est assez flou, n'existe pas toujours de la même manière dans, dans certains pays. Donc, oui, ça, c'est un critère important. Pourquoi Parce que, euh, en creux de euh, tout ce qui est donné pendant l'atelier, toutes les sessions de travail, il est question, même si ça n'en fait pas complètement partie en tant qu'une session euh, sur ce sujet-là, mais de comprendre pour chacun des deux personnes du binôme la place de l'autre. Comment on travaille ensemble euh, quelle responsabilité a mon partenaire euh, quel, euh, euh, oui ou où, 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 où est-ce que en tant que réalisateur ou réalisatrice je peux exiger telle ou telle chose euh, dans la question du marketing, dans la question de je sais pas de, de prise de position, dans le choix du, du, du vendeur ou de la vendeuse C'est des exemples, hein, mais évidemment que c'est c'est important. Et puis de se découvrir aussi pour vérifier qu'on parle bien de la même chose, mmh. on parle bien du même projet. Euh, on parle bien des mêmes personnages, on parle bien... Et ça, c'est... J'allais dire, ça arrive chaque année, oui, où, où on voit bien que euh, dans les yeux de, de chaque, euh, chaque personne, il se passe une, une compréhension de cet ordre-là. Mmh. Et à la fin de l'atelier, si tout s'est bien passé, euh, eh bien, on parle vraiment du même projet. Ouais. Et on va pouvoir... <laughs> sans compter que... Et ça, c'est un autre aspect assez positif de... Du fait de réunir, enfin d'inviter un producteur et un réalisateur ensemble, c'est que parfois ils ne travaillent pas dans la même dans le même pays, mmh. dans la même ville. Euh, et quand même ils sont dans la même ville, parfois, euh, ben ils ont, ils ont pas la possibilité de se voir tant que ça. Oui, donc là donc là c'est mmh. une semaine entière où euh, ils sont collés l'un à l'autre quasiment dans le cadre de consultations individuelles, des sessions de groupe, des et où ils doivent parler absolument de leur projet. Et il euh, y a ce, ce, voilà, cette espèce de relation un peu, un peu forcée, un peu anormale par rapport oui. au quotidien, mmh. mais qui est évidemment bonne pour le projet, parce que le projet demande, demande mmh. ça. Donc, oui, cette, cette, mmh. cette notion de binôme est très importante. Mmh. Très importante. Moi, je pense que c'était euh, un vrai moment de lune des miels, en fait. <laughs> c'est quand on y va on parle qui dit ça quoi, de l'amour et là on parle de l'amour du projet donc on est tous autour de ça et c'est ça qui fait la beauté et peut-être qu'il y a quelque chose aussi que je veux dire produire aussi en fait ça a permis aussi à ce que le projet de Ousmane son propre projet arrive à rencontrer Estelle ici et ils se sont mis d'accord pour, pour produire en fait pour faire un film ensemble mmh. et vous voyez c'est que ça fait des étincelles et grâce à cette rencontre-là, ici, en tant que producteur qui m'accompagne, elle a trouvé Estelle. Donc, euh, une autre productrice. Une autre productrice, en fait, oui. des films de Balibari, ma boîte oh. de production, euh, celle qui me produit. Et ils ont fait un film ensemble. Donc, euh, vous voyez, oui. si Ousmane était resté au Mali et que si nous n'avons pas amené ces films, peut-être ils n'allaient pas se rencontrer. Oui. Et là, vous voyez la magie des rencontres. En fait, c'est oui. ça qui fait cette, toute cette beauté-là. Oui. Et donc, euh, voilà un peu... Euh, c'est ce que ça fait, en fait. Et on a failli aussi avoir un, un, un vendeur en fait, euh, pendant le produit au Sud. Mais à la dernière minute, en fait, ça en a, on a, on a tourné, on a eu un autre. Donc, mais pour vous dire, mmh. tout ce que ça permet. Et si jamais demain, en fait, on a un autre projet, on sait qu'on a des contacts. Oui. Il y a un vendeur, là, il y a peut-être un potentiel producteur aussi. Les mentors aussi qu'on rencontre, mmh. je l'avais dit, la première fois que j'ai vu Stefano Tayaldi, c'était ici. C'était ici, mm. c'était entre euh, une porte entre-ouverte. Stéphano regardais. Stéphano Donc entre que je regardais, je vis l'énergie qu'il avait, qu'il incarnait, comment il était là en train de, de donner, le, d'étalonner de, de, les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et j'étais là derrière euh, la porte, en fait, waouh, je me dis, mais comment est-ce que je peux être un jour là, à cette mm. place-là Stéphano, c'est le, 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 le mentor producteur italien faire, qui vous accompagne sur Un le pitch. C'est ouais. 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 grâce à lui que j'ai euh, appris à, à me forcer à faire des pitchs en anglais. En anglais en plus. <laughs> Mais est-ce qu'on peut, est qu peut vraiment maintenant. Euh, on va tourner. Il avait une phrase magnifique là où il dit euh, pitch or perish. Pitcho perish. Pitcho <laughs> <or> die. <laughs> That's very good. Yeah. Et, et donc, parlons de Zander. Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant la semaine de Produire au Sud? C'était où le projet au départ par euh, rapport à la fin? Est-ce qu'il est qu y avait des, des mouvements dans le projet? Oui, bien sûr. Euh, bah, il faut le dire. Déjà, en fait, euh, avant de venir à Produire aussi, j'ai fait quelques ateliers. Euh, donc Produire aussi, là, en fait, j'ai fait euh, au Maroc. No, commencé. Non, c'est pas Produire aussi. Avec Isham, comment ça s'appelle les... FIDADOC. FIDADOC. Donc j'étais là-bas et là-bas, j'ai fait euh, vraiment, comment on appelle ça, un travail d'évaluation du risque du projet. Parce que je me rappelle, j'ai en mémoire, en fait, mes deux mentors qui... C'est la ruche. Re... Non, c'est la ruche documentaire La ruche documentaire. documentaire donc, oui, il y avait mes deux mentors, en fait, qui, euh, il y a un chaque matin qui toquait à ma porte et qui me disait, est-ce que tu sais qu un tel a fait un film sur les gangs et il est mort Ils l'ont tué. Et donc, il y avait un autre qui disait, mais pourquoi tu lui dis ça Elle n'est pas venue, en fait, pour que tu lui fasses peur. Et donc, il y avait ça, j'étais très confuse. Je suis sortie là-bas, assez confuse, et je ne savais pas, en fait, comment faire. Je dois le faire ou je dois arrêter J'ai dit, non, c'est un film utile. Pour ceux qui regardent, ouais. Zander, c'est un film sur des gangs. Gang. Donc, euh, on, on lui a, a fait un peu. <laughs> Donc voilà, ouais. et après, je continuais, je, je suis allée à Ouagalabba. Ça, c'était en 2017. Et euh, le projet était vraiment au stade embryonnaire. Et euh, puisqu'en fait, il y avait un va-et-vient. J'écrivais, je changeais parce que je ne savais pas, j'allais dans tous les sens. J'avais peur, j'avoue. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, Et si je pars par là, est-ce que je ne vais pas me mettre en danger est-ce que je vais pas mettre les gens qu'on filme qui je vais filmer aussi en danger Donc il y avait, euh, j'ai cherché vraiment ma voie et je suis arrivée euh, à, au niveau de produire aussi. En fait, et là j'ai trouvé comment on appelle ça et euh, j'ai tingué, en fait. J'étais comme si j'étais sur un bateau qui était ivre en fait. Et du coup quand je suis arrivée là, il y avait eu l'accompagnement individuel, il y avait eu tout cet accompagnement du groupe en fait euh, et qui a permis en fait d'ouvrir le projet pour avoir beaucoup plus de perspectives et ça m'a permis vraiment d'aller comme une fusée et tout de suite en fait avec euh, toutes les questions que j'ai reçues qu'on m'avait posées même si j'avais pas ça m'arrivait beaucoup de fois où j'avais pas de réponse sur place mais une fois que je suis retourné chez moi j'ai essayé de faire c'était comme un puzzle en fait il fallait vraiment que je cherche ma voie pour faire le film que je voulais parce qu'il faut le dire en fait dans les laboratoires là où on passe les ateliers il y a tellement de gens qui nous donnent des idées ou qui nous posent des questions, il fallait savoir où on va. Et donc, une fois à la maison, je suis allée en fait confronter tout ce que j'ai reçu sur le terrain, avec la, euh, dans les labos, avec la réalité du terrain qui est tout autre. Mm -hmm. Et c'est en ces moments là précis que j'ai pu faire le lien entre ce que j'ai reçu en fait des, des mentors et ce qu'il y a sur le terrain et comment faire en sorte entre les deux en fait de trouver moi mon chemin à moi. Donc, voilà c'est à quoi ça m'avait vraiment servi. Mm -hmm. Mmh. Et tu vois ça sou souvent avec des projets où, où, où les gens euh, sortent de l'atelier presque submergés par ce qu'ils ont reçu et qu'après que ça s'éclaircit Parce que dans le cas de Zander, c'est évident, ça, ça s'est éclairci et à, à tel point que c'était l'ouverture du festival des trois mmh. continents hier soir. Euh, c'est assez difficile à dire, mais en tout cas, il y a plein de, de, de signaux qu'on qu peut, qu peut percevoir euh, et, qui, et qui traduisent un changement comme ça. Euh, le fait de l'incubation, je disais, le fait d'être avec son partenaire pendant une semaine entière, le fait d'avoir parlé autant, euh, ça, ça, ça pousse dans des retranchements et dans des compréhensions telles que euh, c'est soit le projet, le projet peut en bénéficier, mais souvent c'est vu que c'est très frais, euh, il en bénéficie quelques semaines après oui. le temps de que les choses redescendent un peu, de digérer un peu tout ce qui a été donné, etc. Euh, et, et on en a parlé, vu, vu que Produit Reçu propose comme un terrain, euh, et ce qui se passe, c'est aussi une expérience humaine, c'est aussi personnellement que euh, les producteurs et les réalisateurs euh, trouvent euh, des sortes de réponses, des sortes de tilts, de, des sortes de... plein plein de choses qui, euh, qui, qui les aident euh, à... Euh, j'allais dire à les mettre euh, peut-être euh, comment je pourrais dire ça en, euh, euh, en face de leur de leur euh, désir quoi de leur de leur passion de leur euh, et et ça oui ça envoie un changement dans la semaine mais même un changement quasiment physique de perception mmh. dans le dans le regard dans la manière de parler dans mmh. euh, euh, et, et étant donné que pour un certain nombre de de producteurs et réalisateurs c'est une un première sélection internationale, parfois même la toute première. Donc le premier déplacement euh, international, euh, c'est aussi à cette échelle-là qu'il faut mesurer ce que ça représente pour un certain nombre d'entre eux. Oui. C'est une, une ouverture euh, quand même euh, qui, qui change et qui déplacent beaucoup de leurs perspectives, et, et ils commencent à y croire. Ça devient concret. Il y a une, on en, on en parlait hier comme ça, Isha, Je trouve c'est très beau ce que tu disais sur. Euh, il faut y croire, mais à partir du moment où on saisit cette chose-là, euh, il faut se dire c'est pour moi aussi, quoi. C'est possible. Il y, a une, il y a une place pour moi à cet, cet endroit-là, et, euh, et produire au sud, je pense, peut pour certains créer l'étincelle créer ce, cette chose qui euh, parce qu'il y a cette attention il y a cette bienveillance il y a cette euh, euh, dimension humaine entre les gens il y a cette écoute euh, et que tout le monde peut y trouver de la place voilà il peut aussi arriver le contraire c'est-à-dire euh, c'est arrivé hein, des projets qui arrivaient avec un binôme et puis euh, euh, le projet ne se fait pas le binôme s'arrête mmh. Les partenaires euh, ne travailleront plus ensemble parce que pour les mêmes raisons de, euh, ils se sont expliqués, ils se sont davantage rencontrés. Eh bien, on n'ira pas, pas plus loin. <laughs> on n'ira pas plus loin parce que ouais. ça, ne <laughs> que, ça, parce, que ça, parce que ça marche pas au fond. Oui, mais mieux le savoir, mieux le savoir. Oui, parce que c'est un long travail. Et parlant du long travail, Zanda était long dans son incubation, gestation. Ouais. c'était, euh, c'était vraiment long et. Je pense qu'il faut parler un peu plus fort. C'était vraiment euh, quelque chose d'assez long, et, il faut le dire, parce que le projet, à lui-même, avant même de poser euh, les jalons d'une coproduction avec Lara, en fait, il y avait eu un travail en amont, qui était le travail des lectures, par exemple. Comment euh, faire un état du lieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des mémoires, des articles, presse, euh, des articles scientifiques sur le phénomène. Donc, il fallait comprendre en fait euh, réellement c'est quoi le phénomène à lui-même donc ça c'est un travail qui m'a pris euh, énormément de temps et donc j'ai participé même à des enquêtes en fait euh, sociales avec des cabinets allant dans le sens de comprendre ces phénomènes du gang au niveau de la région des Andes et après euh, ça nous a pris cinq ans après ça, tout cela pour quand on a posé les jalons qu'on veut vraiment aller dans le sens de, de coproduire et la grossesse a duré beaucoup le temps, plus qu'il est oui. prévu. Pourquoi Parce que, quand même, euh, il fallait euh, savoir c'est quel genre de bébé qu'on allait enfanter. Il ne fallait pas l'enfanter soit euh, boité, soit il a un œil, euh, ou tout simplement enfanter un monstre en fait, qui pouvait euh, embraser quelque chose. Donc, mm. Parce qu'on ne fait pas un film pour mettre les gens qu'on filme en danger, ou soi-même. Et d'autant plus que c'était comme marcher sur des yeux, euh, yeux, en fait, il faut savoir. Euh, quel genre de chaussures utiliser Où est-ce qu'on met les pieds Donc tout ça, ça a pris euh, cet temps-là qu'il fallait. Et je pense que le fait de lui donner cet temps, ça a permis à ce qu'on a... que le a pu avoir un accès incroyable, en fait. Parce que s'il n'y avait pas le travail en amont, je ne pense pas si Zander allait avoir lieu. Parce qu'il fallait que les gens comprennent qu'on est là pour faire un film avec eux, pas sur eux. Et qu'ils comprennent aussi qu'on n'est pas venu en fait, pour voler leurs images et aller les raconter en fait euh, comme des monstres et d'ailleurs c'est le moment de les dire en fait j'ai été touchée pendant tout le tournage il y avait énormément de moments où euh, c'était plein d'émotions pour moi qui venait d'une famille modeste mais je me suis rendu compte qu'en fait euh, moi j'étais dans le luxe comparé à ces gens là et en arrivant dans ces milieux là et euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y a plein de choses en fait que je ne pouvais pas savoir si je n'avais pas osé aller vers ces sujets-là, sur ma propre ville par exemple. Mm. Et vous voyez ce que ça fait euh, d'aller vers les gens qui comprennent ce qu'on voulait faire et qui ouvrent leurs portes. Mm. Donc c'était déjà à un moment donné, ils ont, ils ont fait confiance et ils se sont dit, euh, ça y est, en fait, on n'est pas là pour nous trahir. Et c'est comme l'a dit Sina, quand après avoir fait euh, pendant qu'il était en work in progress, je l'ai invité à venir le voir quand j'ai fait un, euh, un break pour retourner à, à Niamey et lui il était là pour une activité et donc on a vu le film ensemble et à un moment donné il était tellement pris d'émotion, des, des il ne parlait pas je lui ai laissé le temps qu'il fallait et c'est là où il me disait en fait on nous a jamais filmé avec autant d'humanité mmh. toutes les fois où nous a raconté c'était on nous racontait comme qui est du voyou après il m'a dit d'accord on est du voyou mais on n'est pas que ça ton film il nous montre comme des humains aussi et, et ça les jours là j'ai pleuré et j'ai dit, je, je pense que j'ai accompli ma mission. Et c'est ce que je voulais. Et si lui, il les perçoit comme ça, ben donc c'est... C'est pas un monstre. Ouais, c'est pas un monstre. Et ouais. c'est vrai. Euh, c'est des gens qui ont un passé assez lourd. Et, mais moi, je suis allé avec plein de préjugés. Mais mmh. quand je suis arrivé sur le terrain, en fait, euh, ça s'est tout de suite tombé. Et j'étais à un pas de faire de l'apologie de la violence parce que j'ai l'air trouvé des raisons. <laughs> j'ai l'air trouvé des fois des raisons, en fait, de se faire entendre. Parce que tout simplement, c'est des gens, pour la plupart, dont mmh. même la, la jeunesse a été spoliée dès le berceau. Mmh. Quand quelqu'un, en fait, qui est dans la même ville que moi, qui a eu la chance d'avoir mon acte de naissance à la naissance dans les secondes qui suivaient, mmh. et que quelqu'un d'autre arrive à l'avoir à 30 ans, 25 ans ou 18 ans, quand il a l'âge d'aller voter, mais je me dis, mais elle est où la justice, quoi On est tous dans la même ville. Moi, j'ai eu droit d'aller à l'école, c'était une évidence en fait. À 6 ans, j'étais vraiment à l'école. Pour les autres, ce n'était pas évident. Moi, j'ai eu droit d'aller euh, avoir le luxe en fait que ma mère arrive à m'accoucher dans une maternité. Ce n'était pas évident dans leur quartier. Donc tout ça, ça m'a amené en fait à voir, mais en fait, quand on est avec rien, est-ce qu'on ne nous conditionne pas en fait à devenir euh, entre guillemets des monstres un jour D'autant plus que c'est comme des gens qui donnent une réponse à cette société-là qui a mis leurs parents au banc et eux avec. Et j'ai jusque-là en mémoire, en fait, parce qu'avant de le faire, j'ai euh, parcouru pas mal de palais. Il y avait un jeune qui m'a particulièrement euh, marqué quand il avait en fait des idées euh, si Et quand je lui ai posé des questions, il m'a dit, mais, mais qu'est-ce que je perds en devenant, même si c'est un monstre, en fait. Il m'a dit, toute ma vie, je mangeais que le reste de vous autres pendant que nous on était habillés en haillons en accompagnant nos parents d'autres couchés à Dodan pour aller commander pitance quotidienne chez vous autres vous vous partez à l'école mmh. et ça m'a amené à mmh. réfléchir en fait à, à la citerne que je voyais pendant que j'étais enfant j'allais en classe des CICP et je voyais la citerne qui montait en fait la, la colline pour les ramener à boire donc c'était une citerne qui allait desservir là-bas de l'eau mmh. Donc il y avait un passage ou deux passages par jour, alors que nous chez nous, tu ouvres le robinet, tu as l'eau quoi. Et donc du coup, ça m'a amené à penser à tout ça là. Et quand je voyais en fait les gens qui se battent pour avoir des petites sommes pour amener leur femme en consultation prénatale, tout ça dans le but en fait d'avoir un enfant qui naît dans une maternité et qui arrive à naître en fait citoyen, mmh. mais pas un apatrie de l'intérieur. Et donc ça amène mmh. beaucoup à réfléchir par rapport à à tout cela là quoi et donc j'ai trouvé de l'amour et c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout mm. c'est comme un jour quand j'avais le casque en fait et qui euh, en discutant et l'épouse signales demandait en fait elle avait à cœur comment nous faire euh, comment nous nourrir pendant quoi on est ses autres quoi comment nous nourrir pendant qu'on était chez eux et elle voulait vendre sa tasse en fait et moi, j'avais les, les écouteurs. En fait, j'entendais la discussion. Donc, c'est quelqu'un qui n'a même pas, si tu veux, en fait, 3 euros, quoi, pour pouvoir faire à manger à des gens qui viennent chez lui. Et donc, mmh. du coup, moi, je disais, bah, écoutez, euh, on va tester aujourd'hui ta cuisine. Et on veut que tu fasses de la cuisine pour tout le groupe et tout ça. Mais j'ai dû prendre la moto, aller très loin, vider les larmes de mon corps et revenir. Parce que. Je ne pose pas la question de quand quelqu'un vient chez moi, comment je vais le nourrir. Mmh. Vous voyez toute cette solidarité qu'il y a Mais oui. Mmh. Et c'était aussi euh, un des premiers palais que j'ai rencontré. c'était des plus jeunes en fait, le plus grand il avait 17 ans et tout ça, et que je voyais des gens qui venaient qui fait le docker euh, dans la gare, qui euh, fait les taxis motos. Et, et chaque soir quand ils venaient, il y avait euh, une petite boîte en fait euh, déposée quelque part qui servait des caisses et ils mettaient euh, un peu de jetons c'était l'argent qui permettrait euh, plus tard d'amener une maman en fait qui était malade à l'hôpital. Mmh. Et plus tard quand elle est décédée, ils ont fait le même rituel pour collecter l'argent pour lui acheter mmh. la tenue qui allait l'habiller pour l'amener à sa dernière demeure. Mmh. Donc ça, il faut être sur place, il faut des l'immersion mmh. pour vivre tout cela. Mmh. Et ça a complètement changé ma vie en fait, mon regard a changé et euh, je pense qu'ils ont touché mon humanité et, je, et, et depuis ces gens-là, j'ai arrêté de me plaindre en fait parce que je me dis, euh, tu n'as pas de raison de te plaindre en fait. C'est juste à côté de toi, il y a juste une frontière artificielle qui ne sépare mm. eux et nous et y a des gens qui vivent cette situation-là. Mm. Tu ne peux pas te plaindre alors que tu as tout quoi. Et donc euh, tout ça, ça, ça oui. a vraiment changé mon regard. Quoi. Oui, on, on le ressent en fait mm. dans mm. le film. On le ressent maintenant, mais on le ressent aussi dans le film qu'on a vu hier soir au festival. On ressent ton amour pour ces gens, et euh, je pense que c'est aussi ça, non? Le euh, festival de toi continents et produit au sud, c'est pour nous permettre à avoir ces choses là. Euh, on n'a pas beaucoup de temps, donc euh, un, un dernier mot chacun. Non, bah pour juste rebondir sur ce que tu disais, effectivement, euh, euh, essayer d'entendre en tout cas par la voix de chaque réalisateur et, et, et producteur, euh, réalisatrice, productrice, euh, essayer d'entendre de, de, ce qu'ils ont à dire véritablement, euh, de ne pas, de pas transformer cette parole-là, d'essayer de la recevoir dans, dans sa dans sa complexité, dans sa pluralité, dans sa singularité, euh, de ne pas poser une recette qui serait celle de je ne sais quelle euh, formule, coproduction internationale ou autre, mais d'essayer, et c'est aussi là que la question de n'avoir que six projets euh, autour d'une même table permet de prendre suffisamment de temps pour... Euh, traiter la nature, la singularité, la, la vie, l'originalité de chacun des, des projets et d'entendre euh, exactement ce que tu, tout ce que tu viens de dire à qui est passionnant pour euh, comprendre et rentrer davantage dans, dans, un, dans, dans un projet en fait et, 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 et des voix VOX qui sont euh, absolument nécessaires pour réussir ensuite à, euh, à, à, à proposer les bonnes personnes, les bons partenaires Bons potentiels coproducteurs, quoi. Mmh. Mmh. Voilà. Aïcha, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Euh, <laughs> je parlais en fait de la soirée d'hier. C'était euh, parce que c'est pourquoi je suis là euh, à Nantes c'est pour faire l'ouverture euh, de, de la 43e édition du festival de trois continents avec notre film Zender. Et c'était vraiment un moment. Euh, intense et incroyable pour moi qui suis auteur en fait qui a à peine commencé j'arrive à faire euh, on arrive à faire une ouverture et avec l'équipe qui était là la, la productrice en fait Clara et euh, le chef euh, le chef Hop Julien euh, dont aussi la rencontre a été faite grâce à un festival il faut le dire parce qu'on était à Angers et donc, tout ça, euh, c'est vrai, c'est Balibari qui me l'a recommandé, mais on s'était vus, euh, on a discuté, on a vite compris qu'en fait, c'est le chef hop dont j'ai besoin, pas quelqu'un qui va juste appuyer sur le rec et puis ça finit, quoi. Et donc, pour vous dire, hier, nous retrouvions tous ensemble, et Julien qui est avec toute sa famille toute sa famille jusqu'au mmh. dernier ils sont venus en fait, pour voir le travail qu'on fait ensemble son père, sa belle-mère, tous étaient là <laughs> Clara qui était là et il y a une partie de l'équipe qui nous manque Estelle, Ousmane et tout ça mais c'était en fait incroyable de nous trouver tous dans la salle et de recevoir les félicitations de gens fait, qui applaudissent ce travail d'équipe là incroyable qui a été fait parce que c'est avant tout une aventure humaine Clara on s'était vu il euh, y a 11 ans euh, hier elle disait 9 ans en fait il y a 11 ans on s'était vu euh, elle et moi et donc du coup, il euh, y avait un coup de cœur tout de suite et on s'est accroché. On devenait euh, un vrai binôme et on s'entend. Et au delà en fait de travail travaux professionnels qu'on fait, on devenait une famille. Mmh. Aujourd'hui, je connais euh, Clara qui est ma famille. Mmh. Quand je viens, je suis reçue dans sa famille. Donc vous voyez, tout ça en fait, ça permet euh, vraiment de faire ces genre de trucs. Et hier c'était euh, c'était incroyable de nous retrouver tous dans ces beaux théâtres là avec euh, des belles personnes qu'on aime et qui sont venues nous nous Accueillir qui sont venus en fait nous dire ah, félicitations, bravo, mmh. ça change toute une vie, en fait, mmh. c'était énorme pour nous. Mmh. J'avoue que j'ai fondu à larmes quand je suis rentrée à l'hôtel, <laughs> et, et c'était pareil quand j'ai reçu le mail. En fait, je me disais, c'était un rêve. Je reviens, j'ai le, relis les mails. En fait, je me dis, non, no, no, mais c'est pas, pas vrai, et tout ça. Je retourne, j'étais tellement émue. En fait, j'ai discuté. J'avais des larmes, des larmes, et, et je commençais, comme je disais à Clara, à perdre un peu de, ma, de mon humilité. Parce que chaque matin, sur ma page, j'ai dit « Je fais l'ouverture de toi quand tu... <laughs> » Parce que c'est beau de faire l'ouverture d'un festival. Euh, C'était la première fois. J'avais l'habitude de voir les autres faire, et je ne savais pas que ça allait arriver un jour, et que si ça devrait arriver, ça va arriver tôt. Parce qu'on fait un premier long-métrage, tac, c'est parti, et le retour de Jean hier, tout le commentaire recevait, c'était énorme en fait. Mm. C'était vraiment énorme et je pense que c'est, ça nous donne encore une autre responsabilité. Mm. On se dit qu'en fait le, le prochain, on doit être la barre encore beaucoup plus haute mm. pour tous ces gens-là en fait qui nous accompagnent, qui nous disent que c'est possible. Parce que moi en fait, si vous voulez, un simple bravo est capable de changer ma vie. Mm. Aujourd'hui, je vous rencontre, vous me dites que bravo, vous me rendez fier. En fait, demain en faisant le prochain. Vous êtes là, quelque part, dans ma tête, en me disant Je ne dois pas recevoir un tel. Parce que tout simplement, en fait, il mérite. Parce qu'il n'avait aucune obligation de me, de me dire bravo. Mais s'il si l'a dit, c'était désintéressé. Donc, je dois vraiment continuer à le faire. Parce que pour moi, faire un film, en fait, c'est un combat que je fais via la caméra. Et je ne veux pas arrêter. Je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie. Je trouvais ce que je veux faire, ce que j'aime faire c'est faire des films et je vais continuer à les faire, raconter le monde qui m'entoure, mais raconter et aller à la conquête du monde aussi en allant rencontrer oh. d'autres auteurs, d'autres... En fait, c'est le, le maillage des, des pensées, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait vivre une âme. Oh. C'est l'essence même de la vie humaine le prochain film, il sera en compétition alors. Ouais. Ouais, directement. Mais c'était une belle réussite, et pour ouais. le film, et pour toi, et pour produire au Sud, et surtout pour la communauté de Zander. Et surtout, ce qui est important, en fait, j'arrête pas de le dire, c'est énorme. S'il avait permis à ce qu'il y ait euh, une décision politique au plus haut sommet de l'État, avoir pour la première fois de la vie euh, du cinéma nigérien un fond. À la hauteur des 1 milliard que le président avait décidé de mettre euh, grâce au succès des ANR, je pense que euh, c'est énorme quand même. Je pense qu'on peut, euh, sans manque d'humilité, euh, s'en féliciter pour Absolument. cette aventure, Absolument. Bravo. Bravo. OK. Alors, on se laisse avec beaucoup d'amour et euh, on attend les prochaines aventures. Hein. Oui. Merci merci beaucoup, Aisha. Merci, Aisha, merci merci